Eh oh! Eh! C'est une Spooky! Oh! Oh! Réveille-toi! Oh! Oh là là, mais c'est pire qu'une marmotte ou quoi? Ouais, mais il a le sommeil lourd, quoi, comme d'hab! Eh, Sim! Eh oh! Oh, mais c'est une Spooky! Oh, eh, hey, Yaya, faut trouver une solution là! Oh, mec! Attends, je crois que je viens de trouver une idée là! Attends! Ouais? Bah, Yaya, qu'est-ce que. Tu vois, avec les petites plumes, ça chatouille et après, genre, tu te grattes et tout! Dans ton sommeil! Ouais? C'est une Spooky! Et refais. Ok. Eh, mais bon, c'est une Spooky, allez! Mais c'est une Spooky, réveille-toi là! Eh, tiens, prends ma main là! Allez, lève-toi! Allez, c'est une Spooky! Mais attendez, mais pourquoi vous m'avez réveillé en fait? Bah, rappelle-toi, il y a quelques jours, tu m'avais quand même promis qu'on allait retourner la roue de l'horreur! Eh, ouais, hein, Yaya, vrai ou pas? Tu nous avais promis. Bah ouais, ça fait carrément flipper la roue de l'horreur avec tous les défis là qu'il y a. Et bah ouais, attends, mais Sim Spooky, c'est quand même toi qui nous a promis qu'on allait tourner cette roue de l'horreur, donc voilà. Oh hey. Mais tu veux vraiment qu'on tourne cette roue de l'horreur là? Et d'ailleurs, quelle heure il est là en fait? Dis-moi quelle heure il est vite fait là. Yaya, il est quelle heure? Bah je crois que là il est un peu plus de 3h du matin là. Bah attendez, mais laissez-moi regarder un peu l'heure là. Ah ouais? Bah il est déjà 3h du matin quoi. Bah ouais. Oh là là, et vous êtes vraiment, mais vraiment sûr qu'on tourne cette roue de l'horreur là à 3h du matin? Ah, on le sait, sur la roue de l'horreur, il y a différents types de challenges et c'est quand même préférable de réaliser tout ça à 3h du matin. Donc, maintenant quoi, maintenant oui, les gars. D'accord, je vois un peu le truc, mais alors, mais elle est où cette roue de l'horreur en fait là? Eh bah viens par ici. Eh bah là voilà, regardez, approche un peu par ici. Voilà, vous la connaissez déjà je pense hein. Bah oui, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en faire l'utilisation et là ouais, on se retrouve bel et bien pour une partie 2 de la roue de l'horreur. Alors bon, c'est une Spooky, bah viens par ici là. Oh là, regarde un peu là. C'est une dinguerie cette roue. Viens, approche. Donc là du coup, nous avons pas mal de challenges. Attends, donc, mais le Ouija je connais ça, c'est pas le truc avec la planche, avec Yes, No et tout? Oui, c'est ça, c'est la planche, vous allez voir de toute façon si on a l'occasion de tomber dessus. Enfin bref, voilà, nous avons tout type de challenge et vous allez les découvrir tous durant cette vidéo. Et voilà, bon, Sim Spooky, Yes Spooky, là, vous êtes chaud ou quoi là? Franchement, je suis grave chaud. Attends, moi j'ai une seule question à vous poser. Ouais. C'est qui le premier qui tourne la roue? Alors là, moi par rapport à ça, j'ai déjà eu ma petite idée et je propose qu'on fasse un petit pierre feuille ciseaux, mais entre nous quoi. Ouais, vas-y. Ouais. Alors bon, attendez, avant que vous commencez à faire quoi que ce soit les gars, dès maintenant, n'hésitez vraiment, mais vraiment pas à mettre un maximum de likes. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube. Bah oui, c'est très important. Ça vous permet de ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont arriver. Bon les gars, moi je me tiens prête à commencer en première. Vas-y, je veux commencer à tourner la roue là, maintenant. Mais attends, comment ça? Mais on avait dit qu'on faisait un pierre feuille ciseaux, Yaya. Non, pas de pierre feuille ciseaux, je veux commencer cette fois-ci. Bon bah ok, tant mieux. Bah vas-y Yaya, je te laisse y aller. Vas-y. Mais elle est folle hein, mais t'es vraiment folle, Yaya Spooky là. Eh bah moi au moins je suis la plus courageuse hein. Et moi franchement, j'aurais pas osé du tout, j'espère que je vais passer en dernier hein. Allez, c'est parti les gars. 3, 2, 1, let's go. Ok les gars. Oh là là les gars, attends. Mais j'en étais sûr. Oh là, mais t'as trop de la chance Yaya Spooky. Mais moi je voulais trop aussi passer sur bonus. Oh les gars, j'ai eu trop de la chance. En tout cas moi je veux toujours pas passer parmi les premiers hein. C'est mort. Attends, bah tu sais quoi, on va faire un pierre feuille ciseau, bah comme on avait dit, ok? Bon, t'es prêt? Vas-y, je suis prêt. Ok. Allez. 1, 2, 3, pierre feuille ciseau. Ok. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Eh ouais, oh les gars! J'ai mis papy, là, les ciseaux. Allez, Sim Spooky, à ton tour! Oh non! Bon, allez, Sim Spooky, c'est à ton tour! Allez, let's go là! Non, mais vas-y, tu peux passer en premier, en deuxième, je veux dire. Quoi. Alors là, non, t'as perdu au pierre, feuille, ciseaux, c'est donc à toi, Sim Spooky. Allez, Sim Spooky, arrête de nous faire perdre du temps là! Allez, pas de discussion! Moi, ça me fait grave peur, gars, il y a le 666, Ghost Pepper et tout. Oh, ou peut-être si j'ai de la chance, je tombe sur le bonus comme Yaya, non? Bah, en vrai, si t'as de la chance, ouais, tu peux très bien tomber sur le bonus. Mais bon, ah bah vas-y, je te laisse tourner la roue. Bon, allez, vas-y. 3, 2, 1, c'est parti! Oh là là là, et j'espère que je vais tomber sur le bonus. Oh, le numéro maudit! Attends, les gars, regardez. C'est numéro maudit, les gars. Oh là là. Eh, en vrai de vrai, il était juste à côté du bonus, hein. Eh, je te jure, je pensais que j'allais tomber sur le bonus, mais non. T'étais pas loin. Franchement, t'étais pas loin. Ok, les gars, j'ai un bocal avec plein de numéros maudits. Sim Spooky, c'est à toi de piocher dedans.
et t'appelleras bah un numéro maudit. Allez, allez, pioche, pioche. Allez, ça me fait trop peur là. Bon, attends, attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, allez, si allez. Je ferme les yeux et que je pioche au pif, non? Bah là, en vrai, tu fais comme tu veux, mais en tout cas, tu dois bel et bien piocher un numéro maudit là. Vas-y, vas-y, allez, allez, attends, allez, vas-y. Allez, allez. Je ferme les yeux et c'est parti. Vas-y. Attends. Attends, celui-là. Ouais. Oh, oh là 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 là. Attends, attends, viens, 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 alors, viens, alors, ici. Oh là là, mais c'est quoi ça? Ok, donc voilà, nous avons ton premier numéro maudit. Et peut-être que je vais être en contact avec des créatures ou peut-être une creepypasta, y'a Spooky, qu'est-ce que t'en penses? Ah, je sais pas, mais en tout cas, c'est l'heure de sortir le téléphone et taper le numéro, là, non? Alors bon, pour situer un petit peu les choses, les gars, parmi tous ces numéros qu'il y a dans ce saladier, ils ont toutes une particularité différente, et pour le coup, tu peux très très bien tomber sur un numéro d'un démon ou encore d'une creepypasta, donc bon... Tu verras de toute façon sur quoi tu vas tomber. Et vas-y, je te laisse taper le numéro là. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh là là, bon allez. Bon, ça y est, j'ai composé le numéro. Bon bah, y'a plus qu'à appeler. Et franchement, ça me fait un peu peur. Et qu'est-ce que tu fais là? Allez, allez. Mais pourquoi t'as fait à ma place? T'es sérieuse? Allez, 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 allez. Bon les gars, je crois que ça sonne, attends. Oh, oh là 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 là, attendez, mais s'il répond, que je dis quoi là les gars? Je dis quoi? Je sais pas moi. Moi je sais pas, tu te débrouilles, hein. Vous êtes sérieux? Vous me laissez en plan comme ça? Bah, tu te débrouilles, c'est ton problème. Oh là là, les gars, vous êtes sérieux? Oh, oh ça! C'est quoi? Bah, je sais pas, moi, j'en sais rien, allez! Y a quelqu'un à l'appareil là? Mais je comprends rien là, qu'est-ce que vous me racontez là? Allô? What? C'est quoi ce qui se passe là? Je crois que je suis en contact. Raccroche. Vas-y, je raccroche, hein. Non mais là, j'ai clairement été en contact avec quelqu'un de bizarre ou je sais pas, t'as compris quelque chose, toi, bah, ou pas? Je crois qu'il y avait quelqu'un qui chuchotait dans le téléphone, mais on comprenait. Attendez, je sais pas vous les gars, mais j'ai comme l'impression que c'était un démon. Enfin, on entend déjà, il y avait des interférences. Donc ça peut très bien expliquer que ça pourrait être une présence démoniaque qui perturbe le flux téléphonique, en fait. Mais ouais, clairement, en fait, hein, parce que t'as vu, on entendait même un peu chuchoter. C'est bizarre. C'était vraiment trop bizarre. Hey, vous savez quoi? Là, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on attend quelques minutes et puis, si... Oh les gars, vous êtes sérieux? Oh, attends, mais réponds! Attends. Vas-y, réponds pour moi! Attends. Allô? T'as vu? Ça refait comme tout à l'heure! What the fuck? Mais les gars, c'est quoi ça? Mais qui êtes-vous là? Répondez là! Oh non, mais c'est clairement un démon, hein! Vas-y, c'est bon, j'ai raccroché. Oh là 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 là, les gars, c'est vraiment 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 bizarre pour le coup. Ça a rappelé, mais les gars, ça a rappelé, hein. Ouais, ça a rappelé. Et je sais pas ce qu'il me veut, ce démon ou je ne sais quoi, mais vas-y, moi je réponds plus, hein, les gars, c'est mort. Mais en vrai, j'espère qu'il va pas te rappeler et qu'il y aura zéro conséquence là, parce que quand même, c'est chaud là ce qui vient de se passer là, non? Non, mais laisse tomber là, j'ai pas trop compris ce qu'il me disait, je crois que c'était carrément une entité derrière ou un démon, je crois que peut-être t'avais raison, hein. Mais oui, mais j'en suis sûr, t'as raison, Sim Spooky, c'est sûr, c'est un démon, moi j'en suis sûr et certaine en tout cas. Ouais, là pour le coup, c'est très clair, les gars, ça doit sûrement être. Oh, les gars, les lumières! Oh, non! Attends, vas-y, allume les lumières, je sais pas, Rob, t'es où là? Attends. Ah. Ok. Les gars, j'ai allumé la lumière de la caméra, du coup. Robtek, ça va? Ouais, ça va, mais... Quoi, c'est délire? Il y a une coupure de courant, là. Les gars, je crois bien que c'est les conséquences de l'appel du numéro maudit, là. Non, c'est sûr. Bon, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va quand même réactiver les lumières, quand même, ouais. Ouais, hein. Ouais, bah venez, les gars, on va jusqu'au tableau électrique. Allez, on va directement ouvrir le placard. Vas-y, je te laisse. Ouais, vas-y, je te laisse faire. Attends, c'est lequel? Ah, c'est le général. Général, c'est celui-là? Vas-y. Oh yes, ça y est. Attends, faut rallumer aussi le deuxième. Vas-y. Ok. Voilà, nickel. Ok, c'est bon. Bon, moi je dis, on essaie de tourner la page et on retourne peut-être sur la roue. Ouais, j'espère que ça va pas recommencer en tout cas. Bon, en tout cas, les gars, ce qu'on va faire dès maintenant, c'est qu'on va retourner la roue. Et cette fois-ci, je pense que c'est à moi. C'est ton tour, c'est à mon tour, les gars. Donc bon, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve directement à côté de la roue. Allez, les gars, on va essayer de refaire baisser un petit peu la pression. Cette fois-ci, c'est à mon tour. Et en soi, après ce qui s'est passé pour Sim Spooky, j'espère vraiment
vraiment pas retomber sur les numéros maudits là, hein. Non, 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 non. Ouais, j'avoue, les numéros maudits, c'était quand même assez chaud là, ce qui s'est passé quand même. Bon, allez, arrête de faire plus de temps, ouais, et ouais, à ton ouais. Tour là, allez. Oui, ok, allez. 3, 2, 1. Maintenant les gars, c'est parti. Et souhaitez-moi bonne chance. Ouais. Quoi? Wow. Attends, mais... Vous voyez ce que je vois les gars là? Mais... C'est le challenge du Ouija, Yaya, c'est bien ça là? Bah oui mec, c'est le Ouija là. Et attends, c'est pas le challenge où il y a une plaque en bois et puis c'est écrit yes, no avec toutes les lettres. Ouais. Oui, c'est bien ça. Oh là 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 là, mais attendez, je crois bien que... Ouais, ça va être ma première fois les gars, ça va être bel et bien la première fois que je vais réaliser le challenge du Ouija. Mais attends Yaya, en vrai de vrai, toi t'es tombé sur le bonus, mais tu pourrais pas me faire le challenge à ma place? Pas du tout, moi je suis tombé sur le bonus, je touche à rien, c'est à ton tour là. Parce que attends les gars, j'ai quand même vu certaines vidéos sur le web à propos de ce challenge du Ouija et ce serait apparemment très effrayant quoi. Oh allez Rob Tecla, depuis tout à l'heure tu fais que parler, là j'ai l'impression que t'as vraiment pas envie de le faire, mais bon j'ai été chercher la table de Ouija, allez faut commencer maintenant, allez. Ouais mais attends, donc c'est ça la table de Ouija les gars? Oui c'est ça. Ok, je sais même pas comment ça fonctionne les gars, parce que oui, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais fait ce genre de challenge et va falloir m'expliquer hein. Yaya, tu sais un petit peu comment ça fonctionne? Bon, je suis pas trop renseignée sur le sujet, mais je crois que il faut se concentrer et avec ça on pourrait contacter un démon, je crois que c'est un truc comme ça. Mais Simsuki, toi t'es carrément plus renseignée sur le sujet, non? Bah oui, en fait moi j'ai pu me renseigner par rapport à ce Ouija. En fait tu vois, faut vraiment bien se concentrer, éteindre toutes les lumières, se rassembler tous au niveau de la table. En fait, il faut placer son doigt au milieu du cercle et puis on pose des questions un peu, tu vois, vraiment flippantes, en mode il y a quelqu'un, etc. Tu vois, ah ce que oui, je veux d'accord, dire. D'accord. Donc en fait, c'est un outil qui nous permet clairement de communiquer avec un démon, en fait. Et oui, tu vois, regarde, là, il y a marqué yes, no, regarde, il y a toutes les lettres, etc. Ok. Bon, vous savez quoi, les gars? Dès maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver, je pense, au niveau de la table basse et on va commencer le challenge. Bon, ok, ça y est, les gars, je pense que là, tous les éléments sont réunis. Enfin, voilà, comme vous pouvez le voir, on a éteint toutes les lumières. Je commence comment là? Quelle question je pourrais poser en premier? Bah, j'en sais pas, tu pourrais dire un truc du genre esprit, es-tu là quoi? Ah non? Demander si l'esprit est présent dans la maison quoi. Ouais. On va commencer tout doux, tu vois. Ok. Mais du coup, je commence comment la Sim Spooky en vrai? Bah, en fait, le truc c'est que tu vois, on le met au milieu. Ouais. Bon, ce qu'on va faire en fait, c'est que je crois que je vais le faire avec toi parce que tu vois, moi je m'y connais un peu plus et je vais pouvoir t'aider en fait. Ok, donc. Ok, pas de soucis. Ouais, ça me rassure parce que faire ce genre de choses là tout seul, les gars, non. Bon, Sim Spooky, on fait ça ensemble? Ouais, vas-y. Ce que je fais du coup, c'est que je place le repère au milieu et puis je pose la question, hein, c'est ouais, ça? Voilà. Vas-y, attends, je commence. Attends, mais attends, quoi? Il manque quelque chose là, il manque une bougie. Quoi? Ah ouais? On allume une bougie. Attends, bouge pas, je reviens tout de suite, ok? Bah ouais. Bon, regardez les gars, j'ai ramené la bougie. En fait, le truc c'est que ça va nous aider à rentrer en contact avec les démons et etc. Tu vois ce que je veux dire? Attends, je vais l'allumer. Ok. Voilà, vas-y, c'est bon. C'est bon? Ok. Moi je propose. On la met où? On la met juste à côté. Ok. Et puis on commence quoi. Bah vas-y. Bon alors attends, parce que là du coup je vais devoir poser la première question. Ouais, c'est ça. Et attends, faut qu'on mette notre doigt au milieu du repère. Ok. Par contre. Ok, allez, c'est parti les gars, on pose nos doigts. Et je commence à avoir des frissons les gars là, franchement. Bon, vas-y, je pose la première question les gars. Esprit. Es-tu là, présent dans la maison ce soir? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que s'il se passe rien, faut que je répète la question? Ouais, faut que tu répètes la question et faut être bien concentré, ok? Ok, ça marche. Bon, on recommence? Allez, c'est parti. Ok. Esprit, es-tu présent là dans la maison ce soir? Les gars, ça bouge. Les gars, ça bouge. Mais regarde. Yaya. Regarde, Yaya. What the fuck, les gars? Oh là là. Il nous a répondu. Les gars, là, il nous a clairement répondu à travers la table de Ouija, là, du coup, c'est ça, hein? Bah vas-y, oui. Attends. Faut qu'on pose une autre question. Ok. Vas-y, je te laisse faire. Je te laisse faire, là. Ouais, je te laisse faire, si vous voulez. Allez, trouve une question. Attends, Esprit. Comment tu t'appelles? Esprit, est-ce que tu peux nous donner ton prénom?
Yaya, regarde, regarde, Yaya. Wow, wow, les What gars. The fuck. Oh, un S. Un S. La lettre S. Oh là là, attends. Attends, viens, peut-être que... Attends, regarde. Ça bouge, les gars, ça bouge tout seul, je... Oh là là. Les gars, c'est un truc de ouf, là. Oh là là, c'est quoi ce délire? Attends. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Ça bouge tout seul, je... Eh, je sais pas quoi faire. Eh, les gars, je contrôle rien, c'est... Mais moi aussi, c'est vraiment flippant. Ça bouge encore, mais... Mais ça veut désigner quelle lettre encore, là, cette fois? C'est flippant. Attends, c'est quoi? C'est quelle lettre? Attends, c'est... La lettre A. Ça s'est arrêté juste... Ça s'est arrêté, les gars, ça s'est arrêté sur la lettre A. Mais attends, ça bouge la encore. La lettre S, la lettre A. Mais regardez, ça bouge encore. Wow, oh. Les gars, c'est vraiment impressionnant ce qui se passe là. C'est quoi ce délire? Mais Simon Spooky, c'est toi, ouais, ou c'est comment là? Mais non, mais mec, ça bouge tout seul, tu vois bien là. Oh non, c'est bizarre. Regarde, mais ça continue, mais où est-ce que... Mais ça veut désigner quelle lettre encore là? Là, attends. Yeah. Je sais pas quelle lettre ça va continuer à désigner, mais je... Attends. Eh, mais... C'est quoi? C'est quelle lettre? Le M. La lettre M? Oh là. Attends, la lettre S, la lettre A, la lettre M. Sam. Sam. Ça veut dire qu'il s'appelle Sam. Attends, regarde. Je crois que... Ouais, je crois que c'est... Bah, en tout cas, ça bouge plus, donc je crois que c'est bel et bien son prénom. Sam, ouais, c'est bien ouais, ça? C'est ça. Oh là. Bon, c'est quoi? T'es maintenant, on va l'appeler par son prénom. Bah ouais. Attends, mec, t'es sûr? Parce que par son prénom, ça peut faire des trucs de ouf, hein. T'es sûr? Bah, je sais pas. Bah, vu que maintenant on connaît son prénom, on peut l'appeler directement par son prénom. Je trouve ça beaucoup plus simple. Et... Bah ouais, logique, quoi. Bon, vas-y, laisse-moi poser une question. Une dernière question, ok? T'es sûr? Ouais. Bon, vas-y, je me lance. Allez, let's go. Sam, est-ce que ce soir tu pourrais te manifester autrement que sur la table de Ouija, là? Attends, t'as entendu? C'était quoi? Les gars. C'était à la cuisine, ça, non? Eh, hey, Yaya, donne-moi la caméra. Yaya, donne-moi la caméra, là. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, les gars? C'est quoi ce délire? Vous avez entendu? The fuck, mec? Vous avez entendu, les gars? Ouais. Je crois que ça vient de par là, hein. Trop bizarre, les gars. Ça vient de par ici, hein. Y'a Spooky, t'as entendu aussi? Oui, je crois que ça vient de la cuisine, même. On va voir, on va aller checker la cuisine. C'est chaud, hein, c'est chaud quand même, là. Allez, Spooky, viens avec moi. Vas-y. Attends, fais attention, hein. Attends, vous êtes prêts, là? Vas-y, ouvre. Regarde, il y a des bouts de verre par terre. Oh, il y en a partout, attends. Eh, faut faire grave attention, hein. Attends, mais qu'est-ce que... C'est... Y'a quelque chose qui s'est... Oh, t'as vu, regarde, y'a plein d'éclats de vaisselle de partout, là. Je crois qu'on l'a vraiment... On l'a vraiment réveillé, là, avec tes trucs, là. Non, mais viens, vaut mieux même pas aller jusqu'à la cuisine. Y'a plein d'éclats de vaisselle. Je sais même pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est un verre, une assiette ou... Enfin, bref, c'est vraiment bizarre. Et attends, mais où est-ce qu'elle est, Yaya, là? Bah, je sais pas... Elle est où, Yaya, là? Je sais pas trop. Attends, mais... Peut-être qu'elle a pris peur et elle a dû partir dans sa chambre ou quoi, non? Qu'est-ce que t'en penses, Robtech, là? Oui, c'est possible, j'avoue, c'est tellement flippant, les gars. Bon, bah là, je crois bien qu'il y a carrément retourné à l'étage. Je pense qu'elle s'est cachée quelque part parce que j'avoue que c'est vraiment, vraiment terrifiant, les gars. Eh, tu sais quoi, Sim Spooky? Je pense que c'est bel et bien le moment de s'arrêter là, quand même, hein. Bon, tu sais quoi, Sim Spooky? Ce qu'on peut faire, là, c'est qu'on range tout et on s'arrête là, c'est d'accord? Oui, c'est sûr. Et par contre, fallait vraiment pas poser la question qu'elle se manifeste autrement que sur la table de Ouija, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'avoue, pour le coup, c'était vraiment effrayant, quoi. Je sais pas ce qui m'a pris de faire ce genre de choses, mais bon, en tout cas, vous savez quoi, les gars, c'était bel et bien la première fois que je faisais ce genre de challenge. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas également à mettre un maximum de likes. Et puis bon, bah nous, sur ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout ranger et on va s'arrêter là. Allez, plein de gros bisous. C'était moi-même, Sim Spooky, et Yaya, bah, qui a clairement quitté la vidéo. Allez, ciao.